Madame, bonsoir. Bonsoir Christophe. On vous imagine heureux de ce succès. Est-ce que vous avez changé de système, première fois que vous jouiez à 4 derrière? Est-ce que vous pouvez déjà dresser un premier bilan de ce que ça vous apporte? Est-ce qu'il y a plus de positifs que de négatifs par rapport au schéma précédent? Et juste une petite question sur Danilo, si vous avez des nouvelles. Alors, c'est par là. Danilo a ressenti une douleur assez importante au niveau visio, donc il va y avoir, à mon avis, une lésion. Après, la gravité, la durée d'indisponibilité, on ne peut pas la connaître à l'instant où je vous parle. Concernant le changement de système qui n'était pas lié à l'absence des uns et des autres, c'était une réelle volonté de faire autre chose. Les derniers matchs ont été très poussifs. Autant on avait bien démarré notre championnat, autant les adversaires nous ont bien étudiés, autant les enchaînements de matchs faisaient qu'on commençait à ronronner, on se créait beaucoup moins de situations. Par rapport à ce que nous avions vu, par rapport à ce que j'avais identifié de Marseille, il me semblait opportun de rajouter du monde à l'intérieur du jeu pour sortir sous la pression marseillaise, qui est une équipe qui vient vous chercher, qui est quasiment dans l'individuel. Évidemment que dans ma réflexion, il y avait aussi de mettre dans des zones préférentielles mes trois offensives, que ce soit Léo, Ney et Kylian. J'ai été satisfait sur les 25-30 premières minutes où nous sommes créés des situations, même si Marseille nous a posé des problèmes, notamment quand nous étions sur notre bloc bas et qu'ils utilisaient bien la largeur. Mais sur la première demi-heure, à chaque fois que nous avons été simples dans nos sorties de balle, en réduisant le nombre de touches de balle pour sortir de la pression adverse avec la qualité de nos joueurs, nous sommes créés des situations favorables, notamment en début de match. Et j'étais satisfait de la capacité de mes joueurs d'assimiler très rapidement ce système. Encore avec l'inquiétude, dès que Dani est sorti, Nordi Mukele avait rarement joué dans une défense à 4 comme défenseur central. Il a fallu trouver quelques réglages. Mais dans l'ensemble, je suis satisfait de la manière dont les joueurs sont exprimés et la manière dont les joueurs ont attaqué, même si malheureusement, nous avons gagné qu'avec un but d'écart. Bonsoir, avec un but d'écart. Est-ce que ça veut dire que ce système, on va le revoir? Est-ce que c'est désormais votre volonté de continuer là-dessus, au moins le temps de la suspension peut-être de Saint-Laurent, même si vous dites que ce n'est pas lié aux absences? Non, on dit que ce n'est pas lié aux absences. Est-ce qu'on va assister dans ce système? Mais de toute façon, avec la suspension de Sergio et la blessure de Dani, voilà, évidemment qu'on commence à être très affaibli dans ce secteur-là. Il est fort probable qu'on continue dans ce système-là, en l'améliorant. On va avoir maintenant des séances d'entraînement pour le travailler. Dans la semaine, il y avait eu deux séances après le match de Benfica. Une qui ne m'avait pas donné satisfaction sur le plan de jeu. La dernière, celle d'hier, m'avait donné beaucoup de satisfaction. Et c'est pour ça aussi que nous avons démarré dans ce système. Et beaucoup d'échanges et de partages avec mes joueurs. Quand il y a un changement comme ça, il faut aussi sentir si les joueurs sont convaincus que ça peut être quelque chose d'intéressant. Et dans ce sens-là, on a eu rapidement, j'ai eu rapidement hier après la séance un retour très positif. Bonsoir Christophe. Après le match à Lyon, vous avez gagné 1-0 et dominé quand même assez largement en vous procurant des occasions, comme ce soir. Est-ce qu'il n'y a pas un sentiment aussi un peu de frustration par rapport au résultat qui aurait pu récompenser une prestation aboutie? Merci. Il y a déjà la satisfaction de l'avoir emporté. Je ne vais pas vous dire que vous savez très bien ce que nous représente ce match-là pour nos supporters. Pour les joueurs et pour l'entraîneur. La frustration, oui, parce qu'à tout moment, vous, même avec une supériorité numérique, vous n'êtes pas à l'abri d'un coup de pied arrêté, d'une erreur, et le fait que vous allez prendre un but alors que vous avez créé beaucoup de situations. Ça avait été le cas aussi à Lyon, et malheureusement, on n'avait marqué que but.
L'important, évidemment, était de gagner. Les joueurs ont essayé d'y mettre la manière. Il y a eu des temps très forts où les joueurs ont eu cette capacité à être très présents à la réaction à la perte pour aider le ballon le plus tôt possible. Je crois que ce qui est très important pour un entraîneur, mais aussi pour les joueurs, c'est de savoir qu'on peut se créer des situations, qu'on peut mettre le danger à tout moment. Ça a été le cas. Le gardien marseillais a fait beaucoup d'arrêts. Il a été très sollicité, mais le nôtre aussi a été sollicité. Je trouve que c'était un match très, très ouvert, très rythmé, très engagé. Mais voilà, on a quelques séances pour peaufiner, améliorer et peut-être modifier les positions des uns et des autres pour pouvoir être performant dès vendredi à Ajaccio. Et puis après, il y aura évidemment, vendredi est un match évidemment très important pour notre championnat. Mais après, il y aura aussi un match décisif qui pourrait être décisif pour la qualification le mardi chez nous en Champions League. Bonsoir Christophe, Christophe Forge pour RTL. La blessure de Danilo rappelle si besoin était que chaque jour qui passe et qui nous rapproche de la Coupe du Monde est un risque supplémentaire pour les joueurs de ne pas pouvoir la disputer. Vous avez évidemment énormément d'internationaux dans la rencontre. Est-ce que vous sentez que, par exemple, en seconde période, même en supériorité numérique, on a peut-être eu l'impression que sur la dernière demi-heure, il n'y avait pas toujours la volonté d'aller jusqu'au bout, peut-être, pour certains joueurs? Est-ce que c'est dans les têtes? Est-ce que vous avez la crainte que ce soit très long jusqu'à la Coupe du Monde pour gérer cette crainte permanente de la blessure qui empêche des joueurs majeurs de disputer la Coupe du Monde? Moi, j'ai pas eu cette sensation, peut-être que vous l'avez eu, et peut-être que c'est vrai, avec peu de recul et d'où j'étais, j'ai pas eu cette sensation que mes joueurs ont eu de la retenue, même en supériorité numérique, mes joueurs voulaient gagner ce match-là. Les joueurs souhaitaient marquer des buts supplémentaires pour se mettre aussi à l'abri. On a vu qu'il y a eu deux blessés en première période de chaque côté. Un blessé de chaque côté, c'est aussi le enchaînement de ces matchs avec la Champions League au milieu, avec un calendrier très compact. Est-ce qu'il peut y avoir une réflexion chez les joueurs? Je ne suis pas dans leur tête, mais c'est possible. Mais nous avons, nous, des objectifs très élevés, que ce soit au championnat, mais aussi on doit obtenir notre qualification en Champions League. Il faut qu'il n'y ait aucune retenue. Il faut aussi, c'est aussi dans ce sens-là qu'il faut mettre à la fois de la fraîcheur au coup d'envoi et gérer un peu mieux le temps de jeu des uns et des autres. Dans ce sens-là, c'est pour cela que j'ai sorti aussi Léo, qui avait été blessé au mollet. Et évidemment que ma première préoccupation, c'est qu'il puisse enchaîner le match avec nous, mais je sais qu'aussi la Coupe du Monde pour lui est quelque chose d'important pour tous les joueurs. Alors les joueurs se préparent bien, ils récupèrent bien, mais nous avons, et j'ai une obligation de résultat, je ne calcule pas, même si quelquefois, et j'espère qu'il n'arrivera pas un moment où les joueurs vont choisir leur match à l'approche de cette compétition, mais on ne pourra pas y faire grand-chose, le calendrier est comme ça. Bonsoir Christophe, Tanguy Le Sévi. J'ai deux questions sur le jeu. Quelles étaient vos consignes tactiques envers Kylian ce soir? Et quelle est votre définition du rôle de pivot pour un avançant? Merci. Kylian n'est pas un pivot. Je vais répondre par une partie. Vous avez pu le voir dans le match quelquefois énormément dans l'axe. Mais c'est aussi une volonté de sortir pour sortir du pressing marseillais. Marseille est très organisé, et on le voit depuis le début du championnat, c'est une équipe qui passe en avant, donc il fallait quelquefois, pour sortir de la pression des 6 joueurs qui venaient bloquer nos 6 joueurs, créer un 4 contre 4 sur du jeu long, et dans ce sens-là, Kylian était pivot et était point de fixation, mais que sur du jeu long et des sorties de balles sur du jeu long. Ensuite, il a été énormément dans sa zone, il s'est créé beaucoup d'occasions, et il a fait des décalages énormément dans sa zone préférentielle. Donc, voilà, Kylian n'a pas joué comme un pivot ce soir, ou alors je n'ai pas vu le match. Il y a eu des situations qui étaient vraiment volontaires, travaillées pour, je le répète encore une fois, sortir sur du jeu long. J'ai aperçu que ces derniers temps, les adversaires, comme vous étudiez énormément, mais, on a pris beaucoup de risques, deux fois contre Benfica, et quelquefois on a perdu des ballons sur du jeu très court. Il fallait, je souhaitais un peu étirer le bloc marseillais avec. Du jeu un peu plus direct, et j'ai oublié la première partie de votre question. Quelles
étaient les consignes tactiques pour Kylian ce soir? D'être très vertical. D'être très vertical à partir du moment où on sortait le ballon. Nos derniers matchs, il nous a manqué beaucoup de verticalité, mais il n'y a pas que Kylian qui peut vous donner la verticalité. Il était important pour moi de sortir le ballon à l'intérieur et de trouver rapidement soit Léo, soit D libre dans des zones très précises et trouver que ce soit Hakimi, milieu de terrain, mais aussi Kylian dans la verticalité pour faire courir la défense adverse vers son but. Dernière question, s'il vous plaît. Bonsoir Christophe, c'est Ilanda. Comment jugez-vous l'utilisation des côtés de votre équipe? Que ce soit ce soir ou en 3-5-2, on a l'impression que l'utilisation des côtés est un petit peu sous-exploitée, que Paris peut être beaucoup plus létal, notamment avec les profils des arrières que vous avez. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez identifié et sur lequel vous allez travailler spécifiquement? Oui, je n'étais pas satisfait ces derniers temps de ce qu'on faisait avec nos pistons, puisque sur le match précédent, c'était des pistons. C'est un poste qui est très énergivore et dans l'enchaînement des matchs, c'est un peu difficile. Juan Bernat a moins ce registre-là, c'était aussi une réflexion par rapport à cela. Il est plus à l'aise quand il est dans une défense à 4 pour jouer. J'ai trouvé que Hakimi a fait beaucoup de courses offensives, il a essayé de créer des décalages, il a été percutant. Mais face à une équipe de Marseille qui était assez nombreuse sur la largeur, puisqu'il avait 5 joueurs à plat, il a moins souvent des contrôles. Mais il y a eu quelques fois des situations très intéressantes avec. Recherche de la profondeur, recherche de prise d'espace. Après, derrière, on a quelquefois mal fini ou quelquefois le ballon a été intercepté par l'adversaire. Merci à tous. Bonsoir tout le monde.